Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enseignement biblique des derniers jours. Alors aujourd'hui, on va voir le problème de la chrétienté, justement. Parce que la Bible est la base de la chrétienté. C'est avec la Bible que les chrétiens expliquent le monde, l'univers, où on va, d'où on vient. Alors le problème avec la chrétienté, c'est le suivant. Quand vous prononcez le mot Jéhova, vous savez très bien qu'en hébreu ça s'écrivait pas comme ça mais plutôt comme ça. Je sais pas si on voit bien. Ça s'écrivait comme ça donc, en hébreu. Le problème de la chrétienté, elle est là. C'est que le Yod, c'est la semence, c'est le Père. Le Ré, c'est cette déesse qui s'appelait Lilith. Le Vav, c'est l'homme. Et le Ré, c'est ce que fera l'homme, ensemble, sa forme Jéhova. Malheureusement, dans la chrétienté générale, je dis bien générale parce que je ne connais pas d'église qui enseigne des connaissances spirituelles sur la mère éternelle. C'est tout le contraire. On ne parle pas de cette déesse, on n'explique pas pourquoi le sixième jour il y a une femme. On fait comme s'il n'y avait rien, quoi, il n'y avait rien à expliquer, alors que beaucoup de chrétiens se posent la question. Et donc, du coup, ils tombent sur des gens malhonnêtes qui vont mal leur expliquer et même les manipuler. Donc, du coup, c'est un problème. Pendant ces siècles d'obscurantisme, l'homme n'a pas avancé dans la connaissance de l'univers. Mais depuis la Renaissance, c'est pas mieux. C'est même pire, puisqu'il y a eu de plus en plus de morts, de plus en plus de guerres. Le diable est bientôt déchu, défait et... Et tant mieux, mais en attendant, tant de souffrances, les chrétiens ne vont pas être achetés tous systématiquement. Parce qu'ils cachent une partie de la transcendance à leurs adeptes, à leurs fidèles, et ça, c'est pas chrétien.